Thank you.
ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir ta si beauté que mon I'm not afraid.
Thank you.
ton peuple, mon Sauveur. Je te suis reconnaissant, Seigneur, ce soir, parce que toute chance qu'on prend en vient de sa parole, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés de ténèbres où nous étions, et tu as fait le temps de la sécurité, Seigneur. Sans toi, Seigneur Jésus, nous serions perdus dans ton Dieu. Tu nous as rachetés en donnant ta vie sur la croix de Golgotha, Seigneur. Ce soir, nous sommes vraiment de ceux que toi, tu as rachetés, Seigneur. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Seigneur, dans ta maison, tout ce qui est gloire. Seigneur, ta présence ne fait jamais défaut. Nous avons menti, nous avons péché, pour que nous puissions être de ceux qui te servent, nous tes jours, Seigneur. On a béni l'Éternel, et nous prions au cœur de tes bienfaits. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur. Là où nous avons manqué notre Dieu, et puis dirigez-nous ta bonté. Ce soir, nous voulons nous répandre devant toi et implorer simplement ta grâce, mon Seigneur. C'est toi que nous voulons entendre, c'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Bénis tes serviteurs que tu as conduits en ce lieu, Seigneur. Et réellement, ta présence immuable, notre Père, puisse encore être présente parmi nous. Viens nous parler, viens nous consoler, viens nous changer, viens nous remplir, Seigneur. Viens nous éclairer, notre Dieu. Là où nous ne voyons pas les choses de la bonne manière, que toi tu puisses nous éclairer afin de pouvoir marcher dans la clarté de ta lumière. Seigneur, combien il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, Seigneur. Car c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Seigneur Jésus, ce soir, ne passe pas outre ton chemin, Seigneur. Arrête-toi sur ma route, arrête-toi sur le chemin de ma soeur, sur la voie de mon frère, afin que tous ensemble, nous serons éclairés par le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ton serviteur, par la bouche que tu vas nous parler. Ce soir, avez-moi besoin de toi, Seigneur. Laisse au Père que tu puisses vraiment te servir de lui comme un simple instrument, Seigneur. Qu'il puisse être conduit par toi. Seigneur, il ne connaît pas nos besoins. Il ne connaît pas nos soucis. Il ne connaît pas nos inquiétudes. Il ne connaît pas nos questions. Mais Seigneur, toi, tu les connais, notre Dieu. Et c'est ton serviteur à toi. Seigneur, viens, descends. Mais que ce l'homme, Seigneur, puisse être, oh Dieu, écarté, mon Sauveur. Mais que toi seul, notre Dieu, que tu te serves de l'instrument, mon Sauveur. Et que tu parles au travers de lui, Seigneur. Afin que ton peuple soit nourri, Seigneur. Tu as dit que tu nous as donné des bergers selon ton cœur. Seigneur, tu nous donneras un nourriture tant convenable, Seigneur, des serviteurs prudents et fidèles, mon Sauveur. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin d'être vraiment attentif à toi. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis tous ceux qui sont en connexion ce soir, qui sont aussi bénis en toi, notre Dieu. Nous voulons vraiment nous asseoir et t'écouter encore nous parler. Viens, Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que l'on nous s'écoute. Nous lisons le livre de Psaume, au chapitre 1. Psaume, chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui me lève tous les filles. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le temps. L'Éternel
Parce que tu nous consoles, notre Dieu, et ta parole est réellement nous réjouit aussi le cœur, Père. Nous avons loué, nous avons des chants et des cantiques pour voir. Nous avons exalté aussi, mais nous n'avons pas divisé avec nos voix, Seigneur. Nos cœurs nous âmes sont lancés aussi vers toi. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Père. Ce soir, nous te disons merci. Merci encore d'avoir rassemblé en cet endroit. Merci aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, qui sont venus loin comme des prêtres, Père. Louange et honneur à toi, mon maître béni, Père. Nous pensons à chacun de personnes dans chaque pays encore ce soir, mon sauveur. Ils sont en connexion encore à cet endroit. Nous prions pour eux, mon bien-aimé Seigneur, pour que la même bénédiction leur soit aussi accordée, Seigneur. S'il y a des malades parmi nous, mon Seigneur, qui sont aussi guéris, mon bien-aimé Père. Que le Dieu qui sauve encore de libérer mes patriciens, oh, puisse encore sauver, Seigneur. Puisse aussi ramener, mon bien-aimé patriciens. Puisse aussi raffermir, mon Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques. Merci également aussi pour les psaumes, mon sauveur. Merci également aussi pour l'adoration. Bénis ton peuple, Père. Merci pour nos enfants qui ont chanté aussi le chant de Sion pour ta gloire, Père. Nous prions pour eux, mon bien-aimé Seigneur, afin qu'ils soient gardés, protégés par toi, mon sauveur. Merci réellement pour ce que tu fais, Patrice, et ce que tu es aussi pour nous, mon maître béni Père. Ce soir, nous sommes à toi et nous te remercions pour tout, par d'avoir ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Seigneur la grâce qu'il nous accorde encore ce soir pour pouvoir nous retrouver ensemble. Comme l'Écriture le dit, voici où il est agréable, qu'il est vraiment doux pour deux frères demeurer ensemble. Et cela que le Seigneur, notre Dieu, te verse aussi ses bénédictions et la vie pour l'éternité. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qui nous conduit encore aujourd'hui et qui nous accorde la grâce nous rassembler pour qu'il puisse davantage nous parler et davantage aussi agir à nous pour que cette année dans laquelle nous allons entrer, nous puissions certainement rentrer avec lui. Nous voulons vraiment la plénitude. Nous voulons vraiment que Dieu nous remplisse encore davantage. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous positionne parce que nous voulons vraiment être positionnés dans ce corps béni du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes heureux d'avoir notre précieux frère Bernard. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Amen. Il n'est pas venu seul avec notre bien-aimée sœur Martine. Je peux... Ah oui, ah, que Dieu bénisse ma sœur. Qu'il te bénisse richement, ma bien-aimée sœur. Qu'il te récompense énormément. Amen. Merci pour tout. Nous sommes heureux de pouvoir les avoir. Nous avons aussi notre frère Daniel et aussi des frères qui sont en chemin. Ils doivent aussi arriver, parce que je l'ai au téléphone tout à l'heure, ils sont en chemin pour venir aussi, afin d'avoir aussi la communion avec nous et surtout avec le Seigneur, autour de sa parole. Amen. Dieu bénisse chacun de vous. Je vois mon frère, la Monica aussi, qui est là. Que Dieu bénisse chacun. Je pense que notre sœur, parce que je crois qu'hier, je n'ai pas su, notre sœur ici, José, je pense, notre sœur José. De Paris, donc, qui devait être là, il est où? Ah, ma soeur José, que Dieu te bénisse. Je ne t'avais pas vu hier, je pense qu'aujourd'hui nous aurons la joie. Mais lève-toi comme ça, les frères et soeurs te voient aussi. Voilà notre soeur José. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes... Je pense que tu es venue seule ou avec d'autres? Je suis venue avec Herman hier, les enfants sont rentrés. Ah, ça va, on t'accompagne. Que Dieu te bénisse. Et pour tous ceux qui sont venus de loin comme de près aussi, nous vous. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et nous prions que le Seigneur vous soutienne aussi. Sentez-vous chez vous, sentez-vous aussi la maison de votre Dieu. Et nous voulons que vous veniez encore davantage parce que ce que nous attendons du Seigneur, ce sont des grandes choses. Nous voulons vraiment que nous entrions dans la nouvelle année avec notre Seigneur. Et nous savons qu'il le fera. Nous l'implorons cette grâce pour qu'il puisse réellement nous aider. Et pendant que nous sommes là, nous voulons aussi prier pour que
ceux qui sont aussi en connexion. Vous savez, nous avons nos frères et sœurs qui sont en connexion. Que Dieu les bénisse. Amen. Je veux vous dire une chose. Je prie pour que Dieu bénisse richement mon frère Daouda. Amen. Et aussi mon frère Emmanuel. Amen. Et comme vous savez, hier, ma fille n'était pas ici. Alors il y avait une difficulté parce qu'on a un petit souci à la maison. Elle devait donc rester pour là-bas. Donc, alors elle me dit, je rentre pas la réunion, j'appelle, elle dit, mais ça va, mon chéri, est-ce que tu as dit, oui, ça va. Elle dit, mais, ah, mais quand même, tu m'as manqué ici. Il dit, mais si tu savais. Alors elle me dit, mais j'étais quand même écouté parce que j'étais en connexion. Alors elle me dit une chose, elle dit, mais en tout cas, je pleure pour ceux qui sont en connexion. Moi, j'aurais aimé être là sur place parce que être avec le petit écran et suivre toute la réunion, c'est pas facile. Oui, j'ai dit, il a fallu que tu passes par là, que tu comprennes que les frères et sœurs dans différents pays, toute leur vie est accrochée à cet écran. Je ne peux pas nous prier pour eux. Que le Seigneur le bénisse parce qu'ils sont fidèles, que ce soit au Canada, en France, partout. Et ces frères et sœurs, chaque fois qu'on a la réunion, pendant toute la semaine, ils sont là devant les. Que tu les bénisses. C'est vrai, c'est quand nous passons aussi par ces genres de situations qu'on peut comprendre ce que les autres passent aussi. Et me dit, c'est pas possible de rester derrière les gens. Il dit, gloire à Dieu. Et là, quand on prie pour les autres, tu vas sentir dans ton cœur que le Seigneur le bénisse. Alors prions. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te dire encore merci ce soir. Oh Dieu, pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, ça nous touche le cœur de voir que ces frères, que ce soit l'Espagne, que ce soit dans différents pays, ou bien les personnes, oh Dieu, ils sont là, au Canada, partout, accrochés à leur écran, c'est cela, les lieux qu'ils écoutent la parole à toi. Parfois, leur Dieu préfère mal, ou bien les personnes, nous te prions de pouvoir le prier, Père. Oh Dieu, que leurs yeux soient guéris, qu'ils soient pas faits santé pour moi. Seigneur, qu'ils soient aussi bénis, ou bien les personnes. Voilà à mon grand célébrité aussi, vous venez de pas d'une notamment à toi, pour ces lieux, leur attache dans votre comme leur propre assemblée, vous venez de Seigneur, qui sont derrière les murs, ce n'est pas facile, vous venez de pas d'une nous te prions de voir également le Seigneur, Père, par également aussi les fautisés, vous venez de pas d'une que leurs yeux ne soient pas tombés malades, vous venez de pas d'une que leurs yeux soient parfaits santé, vous venez de pas d'une c'est vrai que les parents ne pas bon, mais Seigneur, mais c'est pour ta parole à toi, vous venez de Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit déclaré, quoi qu'il ne change quoi, vous venez de venir. Tu es le même hier de l'éternel, mon sauveur. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Nous te remercions, Père Saint. Nous te prions ainsi, mon Seigneur, d'être avec nous aussi. Car nous avons ainsi glorifié et prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Amen. Et bon, pour moi, le parler en français est toujours difficile. Je vais quand même essayer de trouver mes mots. Et on est très heureux qu'on est là. Et une année a quasiment terminé. Et la vitesse avec le temps qu'il passe. Moi, je dis demain, c'est 2017, et le jour après-demain, c'est déjà 2020, parce que le temps passe quand même très très vite, et on sait que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, on est plus heureux, parce qu'on est plus proche à notre but, et ça, c'est de voir notre Seigneur Jésus-Christ, et de voir les morts en Christ qui se lèvent premièrement, et comme la Bible dit, nous, on va être changés et ramenés avec eux pour lever le ciel, pour rencontrer notre Seigneur. Amen. Et la Bible dit, fortifiez-vous avec ces choses. Amen. Et je crois qu'on est fortifié dans la vérité qu'on a reçue. Amen. Et qu'on sait qu'on sert un Dieu vivant. Et qu'on ne suivrait pas des doctrines de l'homme, ni des idées de l'homme,
mais qu'on est emmené vers un Christ vivant. Amen. Et ce Christ vivant, il ne vit pas à l'extérieur de nous, mais ça, c'est le Christ en nous qui est vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'on sommes très heureux ce soir. Amen. Mais non, aujourd'hui, bon, on va rentrer directement dans la parole, si on peut nous lever et ouvrir le livre des Hébreux, chapitre 6. Et on va parler de certaines questions ce soir. Et bon, avant qu'on commence, si quelqu'un est déjà parfait, c'est peut-être maintenant le moment de quitter, parce que ça qui va venir, ce n'est pas pour vous, mais pour vous qui entre nous ici, et ça c'est moi inclus, qui sommes encore de la chemin de la perfection. Amen. On va voir que Dieu nous parle dans sa parole, Amen. Concernant ce sujet. Disons, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et des jugements éternels. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été en foi éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soyons encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient hors pour leur part le Fils de Dieu et l'exposant à l'ignominie. Pardon, je ne peux pas prononcer ça. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole pour nous asseoir. Aujourd'hui soir, on veut parler un peu de la chemin de la perfection. Et on veut aussi parler de la vie chrétienne et de la vie chrétienne avec ses hauts et bas. Et on veut parler des choses que chacun dans notre vie, on constate. Et moi, je crois que chaque personne qui est ici ce soir, si on regarde vraiment dans le miroir du parole de Dieu, si on regarde dans notre propre cœur, chacun soit exactement dans quel état il se trouve ce soir avec le Seigneur. Si nous sommes honnêtes, chacun connaît son état. Et la Bible dit qu'on doit arriver à la perfection, on doit continuer pour la perfection, et on sait que Jésus-Christ a dit « Soyez-vous parfaits comme votre Père au ciel est parfait. » Amen. Sauf à dire, je vous le dis. Et quand la Bible démontre que nous soyons parfaits, il doit exister un chemin de la perfection. Amen. Et maintenant, comme on voit notre Père Abraham, le Père dans la foi, on regarde la vie de cet homme-là et on dit toujours, oui, le Père de foi, le Père parfait, mais aussi, il avait envie qu'il y avait des doutes. Parce que Dieu lui a parlé. Il a dit, je te vois faire une grande nation. Mais un jour, comme Dieu arrive chez Abraham, et il parle à Abraham, Abraham dit, mais Dieu, que tu veux me donner? Moi, je n'ai même pas d'enfant. Mon serviteur va être l'héritier de tout ce que j'ai. Mais ça, Dieu lui parle, il dit, non, les choses ne vont pas être comme ça. Toi, tu vas avoir ton propre fils. Et là, on voit la Bible de ce moment-là commence à parler qu'Abraham a cru Dieu. Et là, c'était lui venu, righteousness, la justification. Oui, c'était venu sa justice. Et on voit qu'Abraham, même qu'il a commencé à marcher, au premier moment, il n'a pas 100% cru. Comme il a continué son marche, il n'était pas encore 100% convaincu. Il a marché, mais il avait encore des erreurs, il avait encore des problèmes. Mais on voit, si on voit la vie au fin, il est arrivé à la perfection. Je crois que de ça, on peut prendre un exemple de chacun pour nous ce soir. Alléluia. N'importe combien des années nous sommes dans le chemin. Et j'espère que je parle aujourd'hui
à des personnes qui, chacun de vous, a déjà fait une expérience avec Dieu. J'espère que ce soir, je parle aux chrétiens. J'espère que je parle aux des personnes qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui ont vu que Jésus-Christ était mort pour eux, qu'ils ont fait l'expérience de repentance, qu'ils ont fait l'expérience d'un changement de vie, qu'ils savaient qu'il était un jour, une heure, où là, vous avez rencontré le Seigneur, et c'est de là-bas que vous comptez votre marche avec Dieu. Et j'espère que chacun de vous avait cette expérience-là. Et je dois dire, si vous êtes enlevé dans une famille chrétienne, souvent, ce n'est pas si facile. Parce que si vous êtes dans une vie de famille chrétienne, souvent, vous avez vécu un bon vie, vous étiez à l'église, tout se passait bien, vous n'avez jamais rentré dans le monde, vous n'avez jamais rentré dans le péché. Mais pour chacun, il faut un vrai moment de reconnaître, moi, je suis un pécheur. Ça, c'est quelque chose que chacun doit constater dans sa vie, parce que la vie chrétienne, ça commence... qu'on remarque, moi, je suis un pécheur. Moi, j'ai péché. Moi, je suis perdu. Moi, j'ai besoin d'un sauveur. Moi, j'ai besoin de pardon. Moi, j'ai besoin du sang de Jésus-Christ. Et si, dans ce moment-là, on voit que cette sang est versé pour toi, que cette sang est versé pour payer pour les péchés, et on fait l'expérience d'un vrai repentance, c'est à partir de là-bas où le chemin chrétien. Je parle à des personnes qui ont eu cette expérience. Mais cette expérience, si ça c'est la seule expérience dans votre vie, ça ne suffit pas pour tous. Ça suffit de sortir le monde. Ça suffit de vous faire sauver. Et je vais peut-être dire des choses où j'espère que vous soyez contentes, mais j'aime toujours les types de l'Ancien Testament. Et comme les peuples d'Israël ont quitté l'Égypte, le mer Rouge s'ouvre devant eux. Ils sont rentrés dans le désert, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, mais ils ont commencé leur marche. Et souvent, ils ont dit, mais Moïse, c'était comme un million en Égypte. Pourquoi tu nous emmènes dans cet endroit ici? Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Pourquoi tu ne laisses pas nous mourir là-bas? Pourquoi on ne prend pas le chemin de retour? Et je pense que je l'avais déjà dit ça ici aujourd'hui, à cette place. Si ils ont fait l'exercice pour retourner en Égypte, le mer Rouge se n'ouvre jamais pour le chemin de retour. Et ça, on doit vraiment voir en chose. Si en foi... vous avez fait l'expérience du salut. Si une fois vous avez vraiment fait cette expérience de donner votre cœur à Christ, d'accepter que le sang a lavé votre péché, vous avez eu un changement de vie de ce moment-là, vous pouvez ne jamais retourner à cet endroit-là. Et la Bible nous parle ici que des gens qui ont une fois goûté et qui ne peuvent jamais retourner et après revenir. Et Frère Bonham dit clairement que ça ne parle pas des chrétiens. Ça parle des gens qui ont goûté mais qui n'ont jamais pris la décision. Amen. Mais non, on sait bien que dans chaque vie chrétienne, il a des hauts et des bas. Et comme il a des bas, il a le diable qui va venir vous parler. Et comme il est venu de parler avec Jésus, il a parlé avec la parole. Il est venu de dire, mais c'est quand même écrit, fais cela. Mais Jésus, il dit, mais c'est aussi écrit. Et c'est pour cela, on sait de cette écriture-là, le diable utilise cette écriture pour parler aux chrétiens qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont tombé dans des péchés, qu'ils ont été rétrogrades, et dire, toi, tu étais un chrétien, tu as fait cela, maintenant, toi, tu es terminé. Mais ça, frères et sœurs, laisse-moi vous dire, c'est un mensonge. Amen. Ça, c'est absolument. Une fois que vous êtes rentré et vous avez pris le sang de Jésus-Christ pour vous laver de vos péchés,
Et vous avez repenti et vous avez baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous avez pris ce chemin de vraiment rentrer. Il n'y a rien qui vous peut faire vous sortir de ça. Et frère Brandamini, une fois sauvé, c'est toujours sauvé. Alléluia. Mais non, je ne parle pas de l'épouse ici. Je parle de la vie éternelle. Parce que la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et confesse avec sa bouche, que cet Jésus est le Christ et passé du mort à la vie. Amen. Mais on parle de continuer à la perfection. Maintenant, la question qu'on doit nous demander, un chrétien peut-il pécher? Peut-il venir rétrograde? Peut faire des erreurs que normalement un chrétien ne devait pas faire. Et la réponse, c'est oui. Ça peut arriver. Mais ça va changer sa position? Non, ça ne peut pas. Mais ça va montrer ce quoi on lui. Et là, il y a la différence. Si vous n'êtes jamais sémence, et si quelque chose arrivait dans votre vie, vous venez rétrograde, vous tombez dans le péché, alors vous quittez l'église, vous retournez dans le monde. Mais si l'Esprit de Dieu est vraiment venu en vous, là il y a quelque chose pour vous réamener. Bon, David, il a dit, David, après qu'il a fait ses erreurs, et la vérité c'est aujourd'hui, un homme comme David, normalement, on ne veut pas avoir dans une église de message. Oui, ça c'est la vérité. Comme on voit la vie de David, on dit cet homme-là, c'est mieux qu'il n'est pas assis dans notre église. Mais comme il a fait toutes ces erreurs-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, comme moi j'ai considéré mes chemins, j'ai retourné mes pieds vers tes lignages. Et ça, c'est la sémence qui est au nom. Si quelqu'un fait une erreur, si vous êtes un vrai chrétien, si vous avez fait une vraie expérience, dans vous, il y a un esprit qui vous réamène à Dieu. C'est l'esprit qui dit, pardonne-moi, Seigneur, moi, je péché. Il a quelque chose qui l'a dedans. Vous ne pouvez pas rester calme. Le moment que vous avez fait une erreur, vous ne pouvez plus dormir. Il y a quelque chose qui bouge dans votre corps et qui dit, vous devez retourner à Dieu. Alors, la Bible parle que nous, on doit être fait parfait. Alors, comment on peut être parfait? La Bible dit, par un sacrifice, Dieu a pour éternité fait parfait son Église. Alléluia. Alors il a un seul chemin. Et ça, c'est le sacrifice de Dieu. Ça, c'est la perfection pour nous. Parce que si nous, on va nous présenter nous-mêmes devant Dieu, sans un sacrificateur, on est perdu. Notre péché, c'est clairement c'est dévoilé. Mais entre nous et Dieu, là, il est le sacrifice de Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu peut voir, c'est Jésus-Christ. Il ne peut pas voir toi et moi. Il peut seulement voir Jésus-Christ. Parce que ça, c'est notre perfection. La perfection n'est pas en nous. La perfection, c'est en Christ. Et c'est pour ça, nous devons être en Christ, et Christ doit être en nous. Et si Jésus-Christ est en nous, la perfection de Dieu est en nous. Et si il est en nous, la vie de Dieu est en nous, et la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Et là, on ne peut jamais être mort, on ne peut jamais quitter, parce que la vie, Christ en nous, c'est ça notre espoir de la croix. La Bible dit, lui qui entend mes paroles, qui croyait en lui que m'a envoyé, il a la vie éternelle. Amen, Seigneur. Et comme on est devenu des chrétiens, on voit qu'il y a quand même un changement de nature.
On voit que la vieille nature, ça départ. Peut-être pas tous dans un moment, mais vous voyez un changement. Amen. Il y a une nouvelle nature. Cette ancienne nature se retire. Et je parle de mon propre expérience. Comme moi, je suis devenu un chrétien. Comme moi, j'avais fait l'expérience avec Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient tombées de ma vie d'un moment à l'autre. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait des choses que je devais me battre pour des années, et des années, et des années, et des années, jusque je suis arrivé. Et nous, on sommes dans le chemin de la perfection. On sommes dans le chemin, on est justifié, mais on sommes dans le chemin d'être sanctifié. On est dans le chemin d'être mis parfait. Mais on peut seulement être mis parfait par Dieu. Maintenant la question, nous sommes immunes à la tentation, non? Nous péchons, oui, chaque jour. Et quand même, la parole dit, vous êtes parfait. Amen. Mais on est parfait en lui. Amen. On n'est pas parfait en nous, non. On est parfait en lui. Amen. Et c'est pour cela, un homme qui est sauvé en foi, il est toujours sauvé. Amen. Une femme qui est sauvée est toujours sauvée. Amen. Mais non, même des gens qui sont sauvés, ils peuvent dire des choses qui sont très méchantes. Regarde Pierre. Il a même maudit soi-même. Moi, je ne connais pas cet homme-là. Mais j'ai une question. Pierre, comme il a dit ça, il avait reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Mais oui, parce que la Bible dit que Jésus a soufflé sur ses apôtres. Il les a prêté pour le Saint-Esprit. Alors il a reçu, oui ou non? Mais certainement, il a reçu. Mais quand même, dans le moment qu'on lui a demandé, mais toi, tu étais aussi avec ce Christ-là. Moi, je ne connais pas cet homme. Et comment ça s'est maudit? Et ça peut arriver dans une vie d'un chrétien qui dit quelque chose qui est qui peut faire une expression dans sa vie qui est complètement contre le foi. Maintenant, frère Branham, il prend l'exemple d'Abraham. Après que Dieu lui l'a rencontré, ils avaient communion. Abraham y va dans une autre vie parce qu'il avait une famille. Et sa femme était tellement jeune et jolie que le roi voulait l'avoir. Et pour faire la protection de son propre peau, il dit, ah, ça c'est ma soeur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça n'a pas changé la position d'Abraham. Et pour Pierre, c'était le même. Il a fait l'erreur, mais ça n'a pas changé la position. David, il a fait ses erreurs, mais ça n'a pas changé sa position. Et c'est pour cela qu'on doit dire ce soir, pourquoi on est ici? Pourquoi vous êtes ici? Moi, je crois que je suis ici parce que Dieu, avant la fondation du monde, il m'a vu et il a dit, moi, cette personne-là, je prends le nom et je l'écris. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous ne sommes pas ici par notre propre volonté. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons une idée. Nous ne sommes pas ici parce qu'on était bon. Nous ne sommes pas ici parce qu'on a fait une œuvre qui nous a fait digne. Mais on est ici parce que Dieu, par sa propre libre choix, a nous choisi. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'il est venu pour payer le prix pour nous. Parce que nous-mêmes, on ne pouvait jamais arriver. Mais non, vous me comprenez pas mal. Je ne fais pas la promotion des péchés ici. Mais je parle aux gens qui ont eu des problèmes dans leur vie de ne pas perdre votre espoir, mais de retourner votre visage vers le Christ.
ici aujourd'hui, c'est pas à écouter les mensonges des diables pour dire, toi tu as fait ceci, c'est pour ça que tu ne rentres plus. Non, on est ici pour dire le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que frère Branham dit, si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous êtes toujours sauvés. Amen. Parce que Dieu éternel, Amen. Qui connaisse la future, il ne peut vous pas sauver aujourd'hui pour vous perdre 10 ans plus tard dans le chemin. Amen. Dieu ne peut faire pas ça. Mais c'est pour ça qu'on veut marcher à la perfection. Mais non, les questions du péché, pour les dire, les choses que je ne veux pas faire, je les fasse. Et les fausses choses que je ne veux pas faire, je les fais. Mais frère Branham dit, si vous êtes un chrétien, vous pouvez faire toutes choses que vous voulez. Vous pouvez faire toutes choses que vous désirez. Il dit, depuis je suis chrétien, moi je fais seulement ça que je désire. Mais pourquoi? Parce qu'on a un changement de désir. Un chrétien n'a pas les désirs pour des choses mal. Un chrétien a les désirs pour servir Dieu. Un chrétien a désir de prier. Un chrétien a désir de lire la parole. Un chrétien a désir d'aller à l'église. Un chrétien a désir d'aimer ses frères et sœurs. Et c'est pour ça, comme on est un vrai chrétien, avec le désir de Dieu en nous, nous pouvons faire tout ce qu'on désire. Parce qu'un vrai chrétien ne désire jamais le mal, il désire toujours le bon. Et ça, c'est la vérité. Mais si le diable vous met dans un piège, si vous tombez, et frère Branham dit, quand vous êtes né dans le royaume de Dieu, vous avez votre haut et bas, mais vous êtes quand même un chrétien. Vous êtes quand même né d'Esprit de Dieu. Amen. Peut-être Dieu doit vous retirer de la terre avant votre temps. Et on va parler un peu de ça aussi. Parce que ça, c'est aussi la vérité. Et moi, je dis, moi, j'ai vu dans ma propre vie plusieurs cas avec des proches amis de ma jeunesse. Comme Dieu a pris en personne qui était sauvé, mais qui n'était pas capable de marcher le chemin. J'ai vu ça. J'ai perdu mon cousin comme ça. Il avait 24 ans. J'ai perdu comme ça mon meilleur ami de l'église. Il avait 20 ans. J'ai perdu mes autres deux cousins comme ça. Ils avaient 24 et 28 ans. Et Dieu les a emmenés à la maison. Et ça, c'est aussi en vérité qu'on a appris par le message qu'on a entendu. Que frère Branham, il parle d'un prédicateur qui était un prédicateur dans l'église de Christ. Et frère Branham dit, cet homme-là, c'était un vrai enfant de Dieu. Il venait même à ma maison plusieurs fois. Et on s'est tenu par la main. Et on a chanté le gloire de Dieu. Et on avait un temps dans l'Esprit de Dieu, un homme vraiment rempli avec l'Esprit de Dieu. Mais tout un moment, cet homme dit, frère Branham, moi je ne sers plus Dieu. Et là, quelque chose est arrivé dans sa vie. Et moi, on ne connaît pas exactement, frère Branham, peut-être vous savez que c'est quoi qui est passé, mais peut-être il est tombé dans un péché. Et il ne pouvait plus croire qu'il pouvait retourner. Et là, il voulait abandonner. Mais frère Branham dit, il est tombé malade. Et Dieu lui a pris à la maison. Et c'est pour ça, pour eux, ils ont vraiment une fois pris le salut, c'est impossible de se tourner et abandonner. Si Dieu vous avait pris une fois, il ne va vous jamais perdre. Amen. Amen. Si vous faites le mal, il va vous faire passer sur le chemin de correction. Amen. Il va vous faire passer sur les vallées. Il va vous faire passer dans des situations où vous ne voulez pas rentrer. Mais s'il peut vous corriger, il va vous corriger. Il va vous réamener. Mais s'il peut vous faire corriger ici, il va terminer votre vie et vous ramener.
Et ça, c'est aussi la vérité. Mais non. Le bonhomme, il dit, comme il parle de eux qui pêchent par volonté, il dit ça, ne parle jamais d'un chrétien. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien va pêcher par propre volonté. Mais un chrétien, s'il pêchait, ça c'est parce que le diable lui a mis dans une piège. Et ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas coupable. Comme tu pêches, c'est toi qui dois répondre. Si tu as fait mal vers Dieu, c'est toi qui dois trouver la récompense. Toi, tu dois passer ce chemin-là. Mais non, frère Renamélie. Et dit, si il sommes encore des choses dans votre vie qui ne sont pas de Dieu, comme les désirs de femmes, comme toutes les autres choses qui ne sont pas de Dieu, vous n'êtes pas encore rentré dans le Père. Vous n'êtes pas encore entré dans le repos. Mais maintenant, on va aller aux places. Comment alors on peut être parfait? On peut nous perfectionner, on peut faire quelque chose. Et là, frère Branham dit, mais non, si vous va commencer de vous forcer de ne pas faire ces choses comme ça, de ne pas mentir, de ne pas avoir désir après le monde, des choses comme ça, il dit ça, Dieu va ne jamais accepter de vous. Parce que dans ce moment-là, ça, c'est quelque chose que vous avez fait et pas quelque chose que lui a fait. Et maintenant, je veux aller à cette question de la perfection. Comment on peut vraiment arriver là-bas? On voit premièrement que c'est Dieu qui a donné le pardon pour nous par le sacrifice du calvaire. Alléluia. Nous, on est venus repentir et de l'accepter. Mais non, concernant la perfection, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas travailler. Parce que si on pouvait travailler ça nous-mêmes, ça qu'on croyait, c'était un programme de même amélioration. Comme le monde le connaît. Il y a beaucoup de programmes que vous pouvez prendre. Vous pouvez aller étudier l'éthique. On vous fait étudier le philosophe. On vous fait étudier ceci et là. Et dit, avec ça, quand vous faites ça, votre vie va être meilleure. C'est tous des programmes d'améliorer par soi-même. Mais Dieu n'est pas intéressé à ça que toi et moi. Alors, c'est quoi ce chemin de la perfection? C'est le chemin d'être capable de se remettre à lui. C'est le chemin d'abandonner sa propre volonté. C'est le chemin d'accepter la parole de Dieu. Comme Jésus dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et maintenant, ce chemin-là, pour s'abandonner, et je vais vous donner un petit exemple. Si vous mettez un bébé sur une armoire et vous dites sautez-vous et vous mettez les bras, le bébé, avant qu'il saute, doit avoir confiance que vous va la rattraper. Parce que si le bébé n'a pas confiance que vous va la rattraper, le bébé va pas sauter. Alors, avant qu'une personne vraiment peut se remettre à Dieu, cette personne doit avoir la confiance totale, la foi que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. On doit croire dans ça que Jésus a fait sur le calvaire. Amen. On doit croire que ça qui est fait sur le jour du calvaire, que ça nous libérait de tous nos péchés. Amen. Que ça changeait toute notre nature. Amen. Que ça change tout notre désir. Amen. Que ça, que le moment que le prix était payé, Amen, que ça suffit pour Amen tout ce qu'on avait besoin. Amen. Et dans ce moment-là, si on a vraiment confiance en Dieu, là, on peut nous mettre complètement dans ses mains.
Et c'est pour cela il n'avait pas de plaisir avec les peuples d'Israël comme ils sortaient de l'Égypte. Ils ont tout vu. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais le premier moment, ils étaient dans les difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont douté Dieu. Ils commençaient à respecter. Respecter contre Dieu, respecter contre Moïse. Et c'est pour cela que David le dit. Alléluia. Dieu n'avait pas de plaisir avec eux. Mais, un vrai chrétien, il a le foi. Et comme il a le foi, là, il peut se remettre complètement à Dieu. Et je parle de l'expérience ici. J'ai battu dans beaucoup de choses. Et je suis arrivé au moment où j'ai dit, Seigneur, toi, tu as tout vu. Tu as vu ma vie, tu as vu mes difficultés. Mais moi, je crois que ça que tu as fait, c'est le croix de Calvaire. Que ça, Amen. Et ça, c'est que je vous invite ce soir de vraiment vous remettre à Dieu. De remettre vos faiblesses à Dieu. De remettre vos difficultés à Dieu. De remettre vos péchés à Dieu. Parce que nous, on ne peut pas faire nous-mêmes parfaits. Et on voit cet homme Pierre. Et moi, j'aime cette situation-là. Je dois vous dire, il y a deux situations dans la Bible qui reviennent toujours à moi. C'est comme Jacob, il a rencontré Dieu, il a changé sa nature, et comme il a parlé avec Pierre. Et moi, je dis toujours, c'est plus facile de s'identifier avec Pierre, parce que c'était quand même un homme avec des erreurs, que s'identifier avec Paul. Paul, pour moi, il était trop parfait. Après qu'il a eu son expérience, on voit que lui a marché un chemin vraiment droit et super. Et Pierre était un homme un petit peu plus humain, comme nous. Mais Jésus lui dit, monde, toi tu m'aimes? Et Pierre dit oui. Jésus demande encore une fois, Pierre, toi tu m'aimes? Il dit oui. Et comme Jésus lui a demandé la troisième fois, Pierre, il a incliné sa tête. Il dit, Seigneur, toi, tu sais toujours. Amen. Et c'est pour cela, tu sais que moi, je t'aime. Je crois que chaque chrétien, on doit arriver à ce point-là. De vraiment voir notre propre faiblesse. De vraiment voir que nous-mêmes, on ne peut pas. Amen. Moi, je ne me peux pas sauver. Je ne peux pas te sauver et toi, tu ne peux pas te sauver ou sauver. Il y a un seul qui peut sauver. Amen. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il y a un seul qui peut changer nos chemins. Il y a un seul qui peut changer nos cœurs. Et ça, c'est à que je vous invite ce soir. Si vous voyez dans votre cœur qu'il vous manque quelque chose, si vous voyez dans votre cœur que vous voulez vous approcher plus à Dieu, si vous voulez avoir plus de son esprit, si vous avez le désir de vraiment devenir parfait, à ça que je vous invite ce soir, c'est de tout votre cœur vous remettre à Dieu. Levez-vous. Seigneur Jésus, juste quelques mots qui est venu de mon cœur. Seigneur, tu connais la vie de chaque personne ici ce soir. Oh Seigneur, je vis toute personne ce soir de dire. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. Et toi, tu connais que moi je t'aime. Et je vais me remettre à toi dans toutes choses ce soir. Que toi tu viennes dans ma vie et changer tout ce qui doit être changé. Que tu me donnes la vie de perfection et de la joie avec toi. Remplis-nous avec le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Ça c'est notre désir et ça que nous demandons ce soir. Oh Seigneur Jésus, on veut te donner la louange, la gloire, la bénédiction, l'honneur. Parce que toi tu nous as fait parfait en toi. Oh, on a vu du but cette perfection.
Seigneur bénisse chacun de vous tous. Il y a un cantique que je voudrais bien que la chorale puisse chanter. Pour le Saint-Esprit qui nous libère. Dans le Saint-Esprit qui nous libère aujourd'hui. Non, non, je vous le dis rien. Merci pour le Saint-Esprit qui nous. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, oui, oui. Et Dieu vous bénisse, alors on est pour vous, hein. Comme ça, nous, vous allez chanter ces cantiques-là. Ah oui, c'est cela. Mon précieux frère, on va bien en vivre. Et Dieu te bénisse.
D'une manière ou d'une autre, mais lorsque nous écartons, Seigneur, ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Tu nous ramènes sur le droit chemin, tu nous fortifies et tu nous rends toi seul parfait, Seigneur. Puisque toi, notre Père, tu es parfait, nous aussi, en tant que tes enfants, nous serons et nous sommes parfaits, Seigneur. Béni soit ton nom, notre Dieu. Pour une telle parole de consolation, Seigneur, nous ne pouvons que sortir de ta maison avec des cœurs pleins de joie. Nous pouvons sortir de ta maison avec des cœurs remplis de reconnaissance, Seigneur. Qu'un Dieu si grand, si merveilleux, si puissant, si, oh Dieu, si élevé, tu t'es rabaissé à notre niveau, Seigneur. Tu as réellement pris la place que je devais prendre, mon Sauveur. Tu as pris la place de mon frère, tu as pris la place de ma sœur. Tu as accepté d'être flagellé. Tu as accepté de mourir sur le calvaire à cause de mes péchés. C'est pourquoi, Seigneur, laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te servir toute ma vie, Seigneur. Parce que ce que tu as fait pour moi, personne ne pouvait le faire, Seigneur. Je te remercie pour l'endroit où tu m'as placé. Je te remercie pour mon frère. Je te remercie pour mes sœurs. Seigneur, tu es merveilleux, notre Dieu. C'est pourquoi, Père, aide-nous à rester unis, Seigneur, à demeurer dans cette parole, notre Dieu. Car c'est cette parole qui nous perfectionne de jour en jour, Seigneur. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous aimons être à tes pieds, Seigneur. Oh Seigneur, combien c'était merveilleux, notre Père. Nous étions à tes pieds, suspendus à tes
lèvres, Seigneur, entendre écouter tes paroles, mon Sauveur. Combien tu nous as fortifiés, notre Dieu. Nous voulons encore davantage marcher avec toi. Oh, que 2017, mon Sauveur, encore plus de toi dans nos vies, Seigneur. C'est ce que nous désirons, notre Dieu. Satan a déjà échoué, Seigneur. Il peut venir de toutes les manières, mon Sauveur. Mais nous savons qu'il est comme un lion. Ce n'est pas un lion, Seigneur. Parce qu'il ne vient que pour égorger, détruire, distraire, mon Sauveur. Mais nous savons que nous sommes dans le véritable, en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Béni soit ton nom, notre Dieu. Nous sommes consolés en toi, Seigneur. Louange et honneur à toi, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Alors que nous sommes en prière, nous allons vraiment implorer la grâce de Dieu. Bonsoir, frères et sœurs. Je vous demande de prier pour moi, car je suis malade. C'est notre sœur Anne-Laure. Bonsoir, frères et sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous priez pour moi et pour les enfants Elsa et le petit Michael, car cela fait quelques jours que nous sommes souffrants. Les enfants ont la toux et sont enrhumés, et moi j'ai des fortes douleurs de tête ainsi que des douleurs musculaires. Dieu vous bénisse richement pour tout et toutes mes salutations à l'Assemblée. C'est notre sœur Véronique Adjé de l'Espagne. Bien-aimés frères et sœurs, nous demandons votre soutien dans la prière pour la famille Mitkova qui traverse des moments difficiles. Que le Seigneur les soutienne dans leur situation. C'est le frère Arthur Waters. Que Dieu soit réellement béni. Prions pour ces trois requêtes. Tendre Père Céleste et notre Dieu, c'est auprès de toi que nous avançons, Seigneur, sachant vraiment auprès de qui nous nous approchons, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu puissant, le Dieu au grand et merveilleux, Seigneur. Tu es vraiment celui qui entend nos prières et qui nous exauce toujours, Seigneur. Seigneur, peu importe la situation dans laquelle tes enfants peuvent se trouver et passer, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances, mon Sauveur. À quoi la grâce, mon Dieu, mon roi, à notre bien-aimé sœur Anne-Laure, Seigneur, qui est malade, mais ce soir, elle est encore dans ta maison, Seigneur, pour te servir, mon Dieu. Satan réellement a échoué, Seigneur, pensant réellement qu'en créant cette maladie, mon Sauveur, en allant réellement, Seigneur, mon Dieu, notre sœur n'allait pas être dans ta maison ce soir. Mais il s'est trompé, Seigneur, parce que notre sœur est là ce soir pour témoigner réellement de la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remporté sur le bois du calvaire, mon Sauveur. Guéris-la, mon Sauveur, parce que tu as dit par tes martyrs, nous avons déjà été guéris. Au nom de Jésus-Christ, que tous ces mots soient réellement guéris en ton nom, Seigneur. Souviens-toi de notre sœur Véronique, ainsi que d'Elsa et de Michael, mon Sauveur, son enfant. Oh, Dieu est dans ta main, que réellement tous ces mots, Seigneur, toutes ces douleurs, mon Sauveur, oh Père, ce mot de tête, mon Sauveur, ce rhume, mon Dieu, mon roi, puisse vraiment les quitter, oh Père Céleste. Nous réclamons leur santé, que Satan lâche prise, que tous les démons soient chassés en ton nom, Seigneur Jésus. Donne-leur la bonne santé, Seigneur. Restaure leur corps, que leur vie soit vraiment entre tes mains, Seigneur. Qu'ils soient en bonne santé pour te servir. Oh Dieu, accorde la grâce, mon Sauveur. La guérison se trouve auprès de toi. Seigneur, le secours ne manque jamais dans la détresse pour celui qui se confie en toi. Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, à cette famille qui est en difficulté, Seigneur. Oh, peu importe les difficultés par lesquelles ils peuvent passer, mon Sauveur. Difficultés financières, difficultés spirituelles, difficultés de tout ordre, mon Sauveur. Nous savons que la solution, c'est auprès de toi. Accorde-leur la grâce, mon Sauveur, de fixer leur regard vers toi, d'avoir confiance en toi, d'espérer en toi, comme notre Père Abraham l'avait fait, Seigneur. Espérant contre toute espérance. Et toi, tu es réellement le secours qui ne manque jamais dans la détresse, mon Sauveur. Accorde la grâce à cette famille. Délivre, oh Seigneur. Sauve, oh Sauveur béni. Accorde la paix, la joie, l'harmonie, Seigneur. Le bonheur en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que tu pourvoies à tous leurs besoins, Seigneur. Oh, notre Dieu, accorde la grâce. Bénis notre frère Arthur, Seigneur, qui a déposé cette requête pour cette famille. Que réellement cette famille soit délivrée de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. En toi seul, tu donnes la paix. En toi seul, tu donnes l'assurance. Bénis-les, mon Sauveur. En ton nom, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Une requête de prière. Bonsoir, frères et sœurs. Requête de prière pour une sœur qui s'appelle Philo, dont le papa est très malade. Elle demande que l'Assemblée prie pour lui, pour la guérison et pour que le Seigneur touche son cœur. Elle demande également que le Seigneur lui accorde la grâce de tenir ferme dans sa parole. C'est notre frère
car il lui qui nous envoie cette requête. Prions pour la sœur Philo, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Maître, c'est auprès de toi que nous approchons et implorer ta grâce et ta miséricorde. Pour notre sœur Philo, Seigneur, oh Père, tu la connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu connais ses difficultés, Seigneur. Tu connais son engagement aussi, Seigneur, son amour pour ta parole, Seigneur. Elle a besoin de toi, Seigneur Jésus, que tu interviennes encore dans sa vie, Seigneur, dans sa famille, notre Dieu. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, combien elle voudrait persévérer, Seigneur, dans la marche avec toi, qu'elle puisse s'accrocher à ta parole, Seigneur, que la parole de Dieu trouve de la place, et Seigneur, mon Dieu, au centre de sa vie, Seigneur, qu'elle puisse t'aimer plus que tout, Seigneur, et vivre ta parole tous les jours dans sa vie, Seigneur, dans sa marche, Seigneur, dans ses activités, Seigneur, que tu aies dans la main, notre Dieu. Voilà là où elle est, Seigneur. Oh, elle implore ta grâce, mon Sauveur béni, pour son papa, Seigneur Jésus, qui est malade, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es celui qui restaure, notre Dieu. Aucune maladie ne peut rester incurable devant toi, Seigneur. Tu guéris de toute maladie, Seigneur. Tu as dit que par tes mains tissus, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi, que le papa de notre sœur Philo soit guéri en ton nom, Seigneur. Que tous les démons qui le perturbent, mon Sauveur, que toute maladie, quelle que soit son nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, toi qui guéris encore aujourd'hui, Seigneur, est dans ta main, Seigneur, et touche-le, mon Dieu, mon roi. Guéris-moi son cœur, son âme soit donnée à toi, Seigneur, s'il ne te connaît pas, Seigneur, que tu lui accordes la grâce de pouvoir être sauvé, Seigneur, qu'il puisse aussi, Seigneur, expérimenter, oh Père, ta miséricorde, ta puissance de la résurrection, Seigneur. Accorde-lui la bonne santé, pour que le témoignage soit rendu, Seigneur, que notre Dieu vit encore aujourd'hui, que notre Dieu guérit encore aujourd'hui, que notre Dieu restaure encore aujourd'hui, et que notre Dieu sauve encore, Seigneur, sauve vraiment son âme, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que notre sœur soit aussi fortifiée dans la foi, Seigneur, et qu'elle puisse s'accrocher à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis mon frère KMB, Seigneur, qui nous a réellement envoyé cette requête, mon Père, que ton nom seul soit loué, que ton nom soit exalté. Nous te remercions, Père, parce que tu te plais toujours à nous exaucer, Seigneur, car nous te l'avons demandé avec foi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais inviter notre sœur Dorine qui voudrait chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Viens chanter, ma sœur. Elle a deux cantiques. Amen. You are so good, God, you are so good, Master Jesus, you are so good, in every situation, you are so good, Master Jesus, you are so good, you are so good. You are so good, Master Jesus, you are so good, in every trial, you are so good, Master Jesus, you are so good, you are so good, you are so good, Master Jesus. Jesus, you are so good, you are so good.
Strive by strength.